Maybe you had it all along, hand up your sleeve. Maybe you're right, maybe you're wrong, maybe you're in between. Alors, on retravaille juste sur un petit enchaînement. Il va envoyer direct du point avant et puis crochet du point arrière. C'est-à-dire que c'est 1, 2, d'accord. L'objectif, c'est juste ça pour l'instant. Vous êtes ici très court, vous chassez, vous allez rentrer ici après. Donc c'est 1, 2, coup, je rentre. Donc, 1, 2, je rentre. L'idéal, hein, c'est d'aller chercher au plus près possible. Cherchez pas là au milieu, j'arrête pas de le dire parce que là, ça va passer. Là, ici, c'est pas maintenant qu'il faut mettre l'impact, hein, ce serait au pire sur le deuxième temps. Sur votre premier temps, il faut que vous soyez dans l'idéal le plus près possible, soit au milieu de l'avant-bras, mais entre cette partie-là, entre le milieu de l'avant-bras et le poignet. Si vous êtes là, c'est pas bon, il va continuer son mouvement. Et puis si vous êtes trop là, le risque c'est que vous subissiez le service aussi. Donc c'est vraiment, je chasse un, deux coups, je rentre. C'est une défense prochaine. Si on part que sur le crochet, non, c'est pas grave. Mais vous avez vu hein, que de rentrer et de protéger avec le coude, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté, avec le direct, ça protège. Donc, je veux que vous travailliez quand même la parade sur le direct. Un, deux coups, je rentre ici. À nouveau, un, deux coups, je rentre ici. Et j'attends pas que son bras arrive, je vais le chercher. Pour la lumière. Donc, vraiment, un, deux coups, je rentre. On y va juste là-dessus, là, 5-6 fois, et puis après, on voit l'enchaînement. Donc, on repart sur la même chose. Je suis ici, 1, 2, là, quand je suis rentré là, boum, à nouveau, le petit coup qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment 1, 2, boum, petit coup, là, c'est là, oui, là, boum, sur 1 ou 2 temps, vous rentrez. Juste une fois, vous rentrez, vous prenez un avant-bras, qui est engagé avec la hanche et puis l'épaule. Il n'arrive pas trop au corps, mais si je vous dis qu'il arrive au corps, je vois que vous bras. L'objectif c'est d'envoyer tout le corps à la percussion. Alors là, maintenant je vais faire doucement, mais si vous faites ça, c'est pas bon. Si vous faites ça, donc pensez à ça. Donc je leur fais doucement maintenant. 1, 2, je suis là, et je rentre ici. Et derrière, bon, voilà, c'est derrière la fin, mais vous avez compris, grosso modo, ce qu'il y a de nous. 1, 2, je suis ici, je rentre. Et à nouveau, hein, vous avez vu, il est en bonne position pour prendre un petit peu derrière. On y va. Et vous faites à nouveau, je fais doucement. Pour moi, ce qui pose problème, à nouveau, c'est l'histoire de déplacement. Il n'y a que quand vous n'êtes pas bien déplacé au début, derrière, vous pouvez pas enchaîner. Dans la rue, si vous faites avec ce que vous savez déjà faire, le déplacement, vous pouvez faire, vous pouvez pas être une petite voix. Pour faire ce que je vous demande, vous êtes obligé d'avoir un bon déplacement. Sinon, ça ne peut pas aller. Souvent quand vous êtes rentré là, vous étiez un peu juste. Vous avez fait 1, 2 et ici. Et donc là, pour moi, c'est plein de placements. Dans un verre, c'est une fente. Et du coup, derrière, quand vous êtes là, ben, vous voici les coups. Les coups, ils arrangent comme ça. Et là, ça ne marche pas. Donc si vous voulez rattraper, vous, il ne faut pas se couper de là. Et derrière, vous pouvez faire tout ça par là. Si vous ne rechangez pas, vous n'avez plus, c'est le chocolat. Vous ne pourrez pas attacher tout le chocolat. Doucement, c'est 1, 2, je suis ici. Là, regardez, la jambe arrière, la jambe avant, elle va la suivre à nouveau. Boum, je rentre ici. J'ai le même écart à peu près entre les deux. J'étais 3, 4, 5 ici. Boum, à nouveau, ma jambe arrière, avec ma jambe avant. Souvent, votre jambe arrière, elle reste derrière. Et du coup, c'est une fois. C'est pas un déplacement. Moi, je le fais dans le vide. Je vais faire 1 ici, je prends un peu de distance. Boum, ma jambe à la suite. La jambe arrière, c'est bam, 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 je suis ici. Donc, ma jambe arrière, elle suit ma jambe avant. Imaginez que vous avez des lacets entre les deux et que vous n'avez pas tant des lacets dans le temps. Au pire, si les tendus, c'est pas grave, ils vous ramènent la jambe. Mais à chaque fois que vous restez ici, vous prenez le risque d'être en déséquilibre. On a moins d'appui sur le front que quand on est côté côté. Sinon, on a la charge lourde sur une jambe. Allez, bon, c'est parti, faites attention à ça.